Perpignan-la-Catalane est le chef-lieu du département des Pyrénées-Orientales, dans la région du Languedoc-Roussillon. Ville haute en couleurs, avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, son aspect est celui d'une cité de plaisance au séjour agréable et animé. Comptant près de 110 000 habitants, elle est aujourd'hui le principal centre culturel, politique et économique du sud de la région et du nord de la Catalogne. À la fois proche des Pyrénées et de la mer, elle est également la plus méridionale des grandes villes de France métropolitaine. Son rayonnement en France comme à l'étranger lui permet de bénéficier d'un aéroport international et de moderniser son réseau ferroviaire à l'image de la ligne à grande vitesse qui la relie déjà à Barcelone et bientôt à Montpellier. Riche d'histoire, fière de ses traditions, mais également tournée vers la modernité, la ville s'attache à valoriser son patrimoine dans la perspective d'un classement UNESCO. C'est dans le cadre de cette ambition qu'est mise en place une importante politique de rénovation urbaine du centre-ville au titre du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés et en partenariat avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. La réimplantation de l'université en cœur de ville est l'un des axes forts du projet municipal. L'objectif est de renouer avec les racines universitaires historiques à travers la réalisation d'un espace autrefois habité par le savoir. La politique de l'habitat n'est pas en reste et la ville entend aider à la réhabilitation de logements dégradés ou tombés dans l'abandon afin d'offrir un habitat adapté et diversifié ainsi que d'implanter de nouveaux espaces commerciaux. La société Angelis Group fait partie des acteurs majeurs dans ce domaine. Loris Calvache, l'un des architectes qui collabore avec elle, nous fait découvrir les dernières opérations qu'il a réalisées, ainsi que celles en cours ou à venir. Donc là, nous sommes rue des Marchands sur la commune de Perpignan, donc en plein centre-ville, hein, proche de la mairie, proche de la place de la Loge. Et nous avons un projet de restauration immobilière réalisé il y a 2 ans. Cette façade en brique, assez atypique sur Perpignan, puisque la brique n'est pas le mode constructif le plus employé. On a une sculpture de Guénaud et un architecte qui est Castan. C'est une façade qui est répertoriée au monument historique. Assez atypique avec son premier balcon donnant sur la rue, très bâtiment bourgeois. À son deuxième balcon qui lui est tout seul et qui est couvert d'une petite toiture avec ses petites fenêtres en partie haute. Voilà, on a un ensemble qui n'est pas du tout représentatif de l'architecture catalane. On pense plutôt là à quelque chose qui pourrait se rapprocher de Toulouse. La corniche aussi, la corniche en brique, vraiment très originale et atypique sur Perpignan. On a essayé d'imiter les poutres bois qui peuvent ressortir en façade haute, remplacées par des briques. Un immeuble assez unique, entouré de quelques bâtiments à colombage que l'on peut voir de part et d'autre. À quelques rues de là, c'est l'intérieur rénové d'un immeuble voisin que tient à nous faire découvrir notre guide. La société Angelis Group apporte beaucoup de soins aux parties communes. Des artistes régionaux viennent apporter une touche particulière à l'ensemble, à l'image de Franck Morens et de son soleil en monochrome. Ici, on a fait intervenir aussi une artiste qui nous a réalisé des lustres, poussière d'atmosphère. Chaque fois, ce sont des pièces originales. Tout ça pour amener un peu d'originalité, surtout que les gens s'approprient le lieu et qu'ils le sentent vraiment comme un lieu exceptionnel. Et on se rend souvent compte que quand on traite bien les immeubles, les gens les respectent. Ils respectent parce qu'ils se l'approprient. Dernière réalisation de rue Saint-Mathieu, un immeuble avec 13 logements, une façade très obscure dans une rue assez étroite. On a essayé de travailler là avec une couleur d'enduit assez claire, avec des tons dégradés de gris. Un badigeon de chaux sur la façade, la réfection à l'identique des volets, des fenêtres aussi. Tout ça avec le suivi des architectes des bâtiments de France. Pour remarquer les particularités, c'est les encadrements bois en périphérie ici, des ouvertures avec l'habillage bois des tableaux. Assez original pour ce quartier. La reprise des ferronneries, tout ça avec un ton clair. En temps clair, on a vraiment de la luminosité dans la rue. La particularité de cette corniche, à l'origine, c'est qu'elle est d'une seule et même couleur. Donc on a essayé de travailler avec 2 tons, un ton de gris et un ton de blanc, pour essayer de venir décrocher les décors que l'on voit en partie haute. On va rentrer dans l'immeuble, là. Numéro 16 de la rue Saint-Mathieu.
L'ensemble des rénovations des immeubles passe par un enlèvement de toutes les couches successives d'année en année pour revenir à la structure originelle de l'immeuble. On passe là par le renforcement des structures, la reprise des charpentes, la réfection des toitures. On ne garde donc que les façades, les éléments authentiques, et on reconstruit la totalité du logement, à savoir un traitement des sols avec des planchers chêne massif, ici 2 cm d'épaisseur, qui sont posés sur des films acoustiques pour réduire la transmission acoustique d'appartement en appartement. Changement des menuiseries aussi, à l'identique, avec le dessin des architectes des bâtiments de France. On les reconstruit, mais avec un double vitrage et une résistance thermique. Les cuisines sont totalement équipées. Le traitement des menuiseries intérieures, des portes intérieures, c'est du bois massif. Là, on est sur du bois massif, pleine masse. Là, on n'est pas sur de la porte post-formée, très légère, comme on peut voir dans certaines réalisations. Les chauffages sont des chauffages thermiques. Le traitement des salles de bain, on essaye d'apporter un soin particulier à tout ce qui est faïence, finition. On est toujours dans les mêmes tons de couleurs, avec des frises qui reprennent les couleurs des portes, les couleurs des carreaux et aussi les couleurs des parties communes. Comme vous pouvez le voir, les cadres des menuiseries sont assez importants. Ils enveloppent la totalité de la cloison et avec un beau recouvrement, ce qui donne de la solidité. Et là, on est sur du bois plein. Des dressings équipés. Le principe, c'est que le locataire ne doive pas percer. Bien équiper un logement, c'est surtout le retrouver dans le bon état quand on le récupère. Là, on avait opté pour des volets intérieurs. Particularité de l'immeuble à l'époque, les volets étaient intérieurs, on les a refaits à l'identique. C'est assez original, mais ça amène une petite touche personnelle à l'appartement. Au-delà des programmes déjà réalisés, Angelis Group, c'est également un ensemble de projets en cours ou à venir, avec à la clé le respect et la sauvegarde du patrimoine. Là, c'est le challenge, c'est un partenariat avec la ville de Perpignan, un quartier en pleine mutation. On est en train de travailler, de réinvestir ce quartier pour rénover un ensemble d'immeubles qui a été confié par la mairie. On a 5 immeubles ici qui donnent sur une place. L'objectif, c'est restaurer, faire du logement et avoir du petit commerce de proximité en rez-de-chaussée, une présence sur cette place de manière à amener un peu de vie. Ce que ne peut pas faire aujourd'hui une administration comme une commune, on est en train d'essayer de le faire avec toute la confiance des services d'urbanisme et de l'État. Voilà la base de notre travail, c'est restaurer des immeubles avec ce niveau de dégradation. Là, on est sur un petit appartement, un studio étudiant, parce qu'il y a une demande. Cet appartement est en cours de travaux. Ça fait partie d'un petit programme de 3 logements, donc un immeuble de basse hauteur, en périphérie du quartier Saint-Mathieu à Perpignan. Là, on est avancé en peinture, il manque les plinthes, on a encore les portes à poser. Donc c'est un travail minutieux. Ce n'est pas seulement pour la réhabilitation de logements qu'œuvre la société Angelis Group. En effet, il s'agit également de travailler à un nouveau cadre de vie, aussi bien pour les résidents que pour le paysage urbain des secteurs sauvegardés. La société participe ainsi au renouveau des centres anciens, entre confort moderne et respect de l'identité des lieux.